Salut à tous, c'est ACS Fala 89 et on se retrouve ensemble aujourd'hui sur World of Warship avec la série des bateaux français avec le croiseur Émile Bertin, un croiseur de rang 4. Et nous aurons comme commandant Louis Violette, qui est plutôt un commandant de destroyer, mais comme pour l'instant nous n'avons pas les destroyers dans l'arbre des bateaux français, et ben nous allons le prendre sur un croiseur. Alors, le croiseur Émile Bertin. Alors, ses atouts, rapidité, vitesse de déplacement max supérieure à la moyenne, zone de tir large, dispersion maximum du tube, lance-torpille augmentée. Les sveltes, les obus de gros calibre surpénètrent le ménage sans s'armer, infligeant des dégâts minimes. Alors, le croiseur Émile Bertin, un croiseur léger spécifiquement conçu pour naviguer le plus vite possible et abhorrer une puissante artillerie. Son faible déplacement étant limité par les traités internationaux, il n'eut droit qu'à un blindage minime. Bah, c'est pour ça qu'il va très vite en fait, hein, parce qu'il n'a pas de blindage. Forcément. Donc ça, quand vous l'avez en face de vous, les obus AP, ça lui fait rien quoi, pratiquement, puisqu'il n'a pas de blindage. Faut l'attaquer avec des obus à cheveux quoi. Alors c'est parti pour une partie avec Émile Bertin. Elle est la France. Là on peut tomber contre des tiers 3 et des tiers 5. Ben, ou des tiers 3 ou des tiers 5. Que pour l'instant il n'y a pas la mise à jour qui nous permet de jouer contre deux tiers différents. Moins voilà, trois tiers différents, parce que 3, 4, 5. Alors là, nous allons tomber contre des tiers 3. Et les tiers 3 là-dessus, sur cette map-là, je sais même pas. Logiquement, c'est les tiers 4 et les tiers 5 là-dessus. Alors là, nous sommes du côté gauche, sur ce map là, il faut partir du côté gauche, toujours, jamais partir du côté droit. Par contre, il faut se dépêcher, parce que là on va avoir les cuirasses en face de nous, si on se dépêche pas, on risque de se prendre un one shot dès le début. Faut pas rester au milieu comme ça, c'est pas bon. J'aime pas commencer au milieu comme ça, c'est un peu n'importe quoi comme sans se faire repérer on est mal. Heureusement qu'il y a de la vitesse hein. On n'a pas le temps de se refaire repérer. Donc lui, je le rallumais avec des obus AP. Il aurait eu très mal. Enfin bon, là, je reste avec des obus à cheveux parce que il risque d'y avoir un destroyer qui traîne par là. Non, bah attends, on va s'en mettre en obus. En croiseur, ça va assez vite de changer. C'est con, tout à l'heure il était embordé, je l'ai vu direct hein, en AP. Hein. L'autre avec son cuirassé en plein milieu quoi. Le mec, c'est Mister Kamikaze. Hein. Ah, je suis dégoûté pour l'eau, je l'aurais eu direct.
Lui, logiquement, faut que je rechange, mais bon. Ça passe pas au milieu, ça? Oh. Je vais voir avec les torpilles, mais non. Crozer l'a eu avant moi. Le destroyer l'a eu avant moi. On va mettre ça au cas où. D'accord, il y a un... C'est les avions de reconnaissance qui nous font repérer là. Attends, encore, il y a un U. Hein. Oui, bah pour l'instant, je suis repéré, je me concentre sur mon repérage, moi. Hein. C'est bon, on a abattu. On a abattu l'escadrille ennemie. Par contre, dans ce jeu, c'est un peu n'importe quoi, l'aviation là-dedans. Oh là là, là il me vise là. Là il me vise là, le monsieur. C'est toujours faire face, hein, on s'en prend plein la gueule, mais c'est pas grave. Ouais, t'as peur, mon pauvre cuirassé? Bon, il a peur. Il a peur. Alerte incendie. Allez, va au royaume d'Hadès. Bon, on aura chier quand même, hein. Problème résolu, chef. Mais je sais pas par quoi, par lui toujours hein. Ah boum. Ah oui hein. Les obus à payer contre un truc comme ça en bordée, ça fait pas de détails. Ah, c'est con là, il fallait que je rechange en obus à cheveux contre un destroyer. On va s'y mettre tout ça. Oui bah la cible, moi je la laisse où qu'elle est là. Franchement j'essaye pas d'y aller. Affirmatif.
Bon, une partie moyenne, hein, vu qu'on se battait contre des rangs 3. Mais bon. Bon, bah, encore premier, gros. Alors, retourner au port. Qu'est-ce qu'on essaye? On essaye la Bretagne? Non, ça sera pour le prochain coup. Pas tout faire, faut faire durer le plaisir. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode avec le croiseur Émile Bertin. Beau petit croiseur. Franchement. Un croiseur anti-croiseur, hein. En gros, c'est ça. Hein. Bon alors, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous retrouve pour un prochain épisode sur un prochain navire. Allez, ciao!